Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par la succession de Madame Claire Langlois. En ce lundi, deuxième lundi d'octobre, nous célébrons l'action de grâce. Nous remercions le Seigneur pour le don de la vie, pour les biens dont il nous comble, pour les joies de l'été achevé, car il est la source de tout bien. Au début de notre Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Joël. Ô terre, ne crains plus. Danse et réjouis-toi, car le Seigneur a répandu ses largesses. Ne craignez plus, animaux des champs, les pâturages du désert ont reverdi, les arbres ont produit leurs fruits, la vigne et le figuier ont donné leurs richesses. Fils de Sion, dansez, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la pluie avec générosité. Il a fait tomber pour vous les averses, celles de l'automne et celles du printemps, dès qu'il le fallait. Les granges sont pleines de blé, les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu, car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. Et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur, votre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. Parole du Seigneur. Demande-moi grâce à Dieu. Seigneur.
force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, maître, « prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chaque messe à laquelle nous participons est une action de grâce, un merci à Dieu qui en Jésus se donne à nous dans sa parole et dans le pain de vie. En ce jour de l'action de grâce, il est bon de se le rappeler. Chaque année, ce deuxième lundi d'octobre est l'occasion de prendre conscience de l'importance de savoir dire merci. Je me souviens, enfant, mes parents m'ont habitué à dire merci aux gens qui me faisaient des faveurs. C'est sûrement la même chose pour vous. La parole de Dieu proposée ce matin nous invite à entrer dans cette reconnaissance. D'abord, le prophète Joël constate que les récoltes cette année-là ont été bonnes, et que le peuple peut se réjouir
et remercier Dieu de l'abondance de la pluie et du soleil qui a permis cette abondance. Mais surtout, le prophète invite le peuple juif à reconnaître la présence de Dieu qui ne fait jamais défaut. En effet, le prophète fait dire à Dieu, « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. » C'est pourquoi, avec le psalmiste, nous avons chanté « Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. » Saint Luc, dans l'Évangile, met en scène un événement où il est question, justement, de reconnaissance et d'action de grâce. Nous connaissons l'histoire de ces 10 lépreux qui crient leur détresse à Jésus. Celui-ci les entend, mais ne les guérit pas sur le champ. Il leur demande plutôt de faire un geste de foi, de confiance, en allant se montrer au prêtre. Pendant qu'ils y vont, ils constatent leur guérison, mais ne pensent pas tous à revenir à Jésus pour le remercier, sauf un, justement, un étranger revient à Jésus, se jette à ses pieds, la face contre terre et lui exprime sa reconnaissance. Jésus fait son éloge et lui déclare « Relève-toi, ta foi t'a sauvé ». En ce jour de l'Action de grâce, alors que nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, remercions Dieu de se rendre présent à nous, comme nous y invitait le prophète Joël. Avec le Samaritain guéri, disons aussi notre merci et proclamons la bonté de Dieu autour de nous. Ce sera notre façon de travailler à ce qu'il y ait plus d'amour, entre autres dans les familles, comme nous y invite le synode sur la famille qui a lieu présentement à Rome. Prions pour le succès de cet événement important pour l'Église. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Les grâces que tu nous as faites sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retourner vers ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Allez dans la paix et la joie du Christ.